tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo All Action. Oui, à l'annonce du confinement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez Action. Voilà. Non, franchement, j'ai été assez sage, donc je suis plutôt contente. Du coup, si ce type de vidéo vous intéresse, mais également découvrir quand même pas mal de box, principalement beauté, mais je vous présente quand même vraiment pas mal de box sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes. C'est totalement gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste du coup de ne pas louper mes prochaines vidéos, sachant que voilà, vous allez retrouver des hauls, des présentations de box, de calendrier de l'Avent, etc. Donc vraiment, si vous aimez ce type de contenu, vous êtes tombé au bon endroit et je vous souhaite vraiment par avance la bienvenue parmi nous. Mais pour en revenir du coup à cette petite vidéo All Action, alors du coup j'avais tout mis dans une bassine comme ceci, voilà, donc il y a quand même pas mal de choses, c'est assez lourd. Mais je trouve que j'ai quand même été assez sage. Je vous avoue qu'à la base, j'ai été chez Action pour acheter, parce que voilà, vu que le confinement s'annonçait, etc. J'ai été pour trouver en fait vraiment des crayons, parce que ceux que j'avais à la maison, enfin bref, n'étaient plus bons, enfin voilà, ne fonctionnaient plus pour maquiller les enfants pour Halloween. Voilà, je suis entrée chez Action, j'ai tout acheté, sauf ça, parce qu'il n'y en avait pas déjà, et voilà. Du coup, je repars quand même avec un truc qui est blindé, j'en ai pour plus de 60 euros. Et je n'ai pas acheté ce que je voulais acheter à la base. Voilà, c'est pour ça que je... C'est pour ça qu'en fait, je me raisonne et que je ne vais vraiment que très très rarement chez Action. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je sais pas, c'est compulsif. Je suis obligée d'acheter des trucs dont je n'ai peut-être même pas besoin. Enfin si, je trouve que j'en ai besoin. Mais voilà, c'est pour ça que je n'y vais pas. Parce que je... Voilà. Mais je pense qu'on est plusieurs comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi, si quand vous passez les portes de chez Action, de toute façon, vous savez que vous allez ressortir avec un caddie. C'est obligatoire. Bref, on va démarrer tout de suite la vidéo parce que sinon ça va durer des heures. Donc je vous avoue que j'ai été chez Action, bah du coup ça devait être jeudi. Oui c'est ça, ça devait être jeudi. Voilà, j'ai été chez Action jeudi. Donc forcément, il y a des petites gourmandises qui ont déjà été entamées ou terminées ou tout ça parce que bah voilà, hein, j'ai pas pu les faire tenir plus longtemps. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des paquets vides par exemple, c'est normal, ça a déjà été mangé. Mais j'aurais quand même réussi à sauver les emballages pour vous montrer ce que j'ai pris. Je vais pas forcément vous relister les prix parce que sinon je vais être rivée sur mon ticket pendant tout le long, mais comme d'habitude je vous les afficherai par-ci par-là de la vidéo. Et je vous avoue aussi qu'avec le confinement et tout, je me suis dit que si je voulais regarder un petit peu peut-être pour trouver des petits trucs de déco pour Noël, etc., bah fallait peut-être que j'y aille là parce que je sais pas quand est-ce qu'on va déconfiner. Et j'avais pas non plus envie de commander des trucs qui allaient me coûter la blinde. Voilà, j'achète souvent des petits trucs comme ça de déco chez Action, je trouve que c'est pas très cher, il y a des choses qui sont assez jolies, donc voilà, on est parti. Alors, première chose que j'ai acheté, c'est des petits bonbons, donc de la marque Trolli. Donc voilà, c'est tout simplement, désolé pour le bruit, des petits sachets de bonbons, hein, comme ceci. Donc il y en a des acidulés, il y en a qui sont gomme, tout simplement, il y en a plusieurs sortes. Et ça en fait, vu qu'on a fait Halloween en mode confinement, j'ai fait un genre de petite chasse au trésor dans la maison. J'avais acheté des petites têtes de mort, mais je vais pas vous les montrer parce que du coup je les ai pas achetées chez Action. Mais et les enfants avaient un petit... C'était un petit jeu de piste en fait, et puis du coup ils devaient retrouver les petites têtes de mort qui étaient cachées dans le terrain ou dans la maison, etc. Et du coup après ils ont gagné des paquets de bonbons en fonction des têtes de mort qu'ils ont ramenées. Donc voilà, c'était principalement pour ça que j'avais pris ça. Puis j'ai envie de vous dire que des bonbons de toute façon à la maison, c'est manger. J'avais ensuite pris pour mon chéri qui adore ça, donc c'est du nougat de la marque Marandi. Voilà, donc c'était du nougat hein, qui était découpé donc en petits morceaux comme ceci. Donc bah, il l'a bien aimé, hein, vous voyez, il n'y en a plus. Donc voilà, ça a vite été consommé. J'ai ensuite pris un petit nounours trop mignon pour, voilà, bah, tout simplement là, c'était pour la déco de Noël. Alors, je vous avoue que c'est l'un des seuls que j'ai réussi à trouver qui n'était pas totalement... défoncé, arraché, etc. Donc je suis assez contente d'avoir pu en trouver un seul morceau. Voilà.
C'est tout mignon. Bon, alors rien de transcendant, hein, j'ai de la marque Dumil, j'ai pris du papier alu, voilà, parce que ça coûte pas cher là-bas. Je me suis pris un petit cahier Oxford, donc comme ceci. Voilà, je l'ai bien aimé parce que, en fait, les feuilles sont de différentes couleurs. Et du coup, je me suis dit que, même si j'ai déjà des petits carnets dans lesquels je note pas mal de choses, ça, je me suis dit que ce serait pas mal, bah voilà, pour, par exemple, les vidéos FAQ au fur et à mesure, je note les questions, ou les recensements de concours, ou les choses comme ça, parce que même si, là, je vais faire un petit... Je fais des petits tirages au sort, comme ça, avec des papiers, etc. Enfin, bref, j'ai trouvé un autre système pour faire des tirages au sort des concours. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un recensement pour voir, des fois, on se dit, ah, tiens, j'ai déjà vu ce nom-là, au moins, on a une liste pour vérifier, etc. Donc, j'ai trouvé que ce petit carnet était pas mal pour faire ça. Tant qu'on est dans les cahiers, j'ai pris ça de la marque Office Essentials, je pense. Donc voilà, c'est tout simplement un cahier avec... il y a une centaine de feuilles, je crois, dedans. C'est juste des petits carrés comme ceci. Et ça, en fait, ça va servir de... Ça, en fait, ça va tout simplement servir de brouillon pour les dictées, etc., pour mon aîné. Donc voilà, plutôt à chaque fois que d'utiliser des feuilles volantes, on n'en utilise qu'une partie, après je jette le reste, etc. Enfin, je trouve ça dommage, donc là au moins, on aura un cahier de brouillon. J'ai pris de la marque Citin, je sais pas comment ça se dit, c'est des petites lingettes des Color Stop en fait, enfin dans le même genre. Donc j'ai voulu prendre celle-ci pour tester parce qu'elles étaient quand même bien moins chères, donc du coup voilà, à voir si ça fonctionne ou pas. J'ai pris deux jolis petits bougeoirs, donc ce sont les mêmes qui sont comme ceci. Voilà, donc il y a des petites étoiles et en fait à l'intérieur c'est argenté, il y avait également l'intérieur en doré. Et ça, ça va vraiment être super sympa, posé au-dessus de la cheminée et tout pour aller avec la déco de Noël. Donc voilà, encore des petits bougeoirs pour mettre les jolies petites votives Yankee Candle que l'on reçoit. J'ai repris en fait deux gamelles pour mes loulous, donc ce sont les mêmes, voilà. Je vais vous en montrer une comme ça, voilà. Donc c'est tout simplement, alors, je sais pas encore si je vais mettre leurs croquettes dedans, mais je pense plutôt que je vais mettre l'eau parce que nous on a des gamelles dans ce style là pour leur mettre l'eau. Mais par contre elles sont un peu plus petites et du coup je fais que ça de remplir les gamelles d'eau. Donc là au moins je me dis, il y a un petit peu plus de contenance à l'intérieur, donc... voilà, j'aurais un petit peu moins à les remplir, en plus ça coûtait une misère. Donc... C'est d'ailleurs un peu ça le problème de chez Action, tout coûte une misère et pour finir on met dans son caddie et pff, voilà. J'ai également pris des petits bonbons de chez Haribo, donc voilà, donc là c'est les Merry Christmas, donc je pense qu'ils vont être décorés avec des petits, voilà, des petites cloches, des petites étoiles, des petits sapins, tout ça, voilà. Donc ça c'est des petits sachets et je trouve que c'est bien au moins les garçons, enfin voilà je leur donne un sachet, je leur dis après ça suffit. La petite c'est bien aussi parce que ce sont vraiment de tout petits bonbons. Donc je trouve vraiment que c'est pas mal d'avoir ce genre de petit format pour les enfants. Voilà, les grands ça permet de les limiter un petit peu. Et puis bah la petite c'est vraiment de petits bonbons, donc je peux lui en donner deux comme ça et puis c'est vraiment petit. Je suis sûre qu'elle va pas s'étouffer. Ensuite, du coup, j'ai pris des gourdes pour les garçons parce que du coup, là, avec le virus, etc., il faut remettre des gourdes plutôt que des gobelets, en fait, pour l'école parce qu'ils ne peuvent pas se lever pour aller remplir leur verre comme d'habitude. Et puis, les gourdes que je leur avais mis dans le sac, en fait, je sais pas, ils les renversent tout le temps, ça coule tout le temps, c'est vraiment l'enfer. Donc, je vais tester ça et si vraiment ça fonctionne pas, je partirai sur des choses un petit peu plus en inox, tout ça, vraiment rebouché. Mais du coup, comme par exemple pour Alex le plus petit, c'est toujours un petit peu délicat à ouvrir ou à refermer correctement, donc je sais pas trop. Mais là, voilà, donc on a des petites gourdes comme ça, et puis vous voyez, c'est un système de paille. Donc ça, je trouve que c'est assez pratique. Donc on a là, on en a une Spider-Man et on en a une du coup avec les héros de chez Marvel. Donc à voir, ils feront leur choix. J'ai réussi à les garder cachés le temps de vous faire cette vidéo. Sinon bah, je les aurais pas eu, elles auraient été à l'école. Voilà. Mais du coup je trouve que c'est pas mal ce petit système de paille. C'est quand même assez hygiénique. Du coup ça se range assez facilement. Et puis voilà. Donc on verra bien ce qu'ils choisissent. Il y a que la petite du coup qui a encore pu garder son gobelet puisqu'elle est en petite section. Et là on m'a pas redemandé de gourde. Donc Alors, j'ai ensuite pris des petits paquets de M&M's comme ça. Je vous avoue qu'à la base, il y en avait 3, mais il y en a déjà un qui a disparu. Mon chéri l'a emmené au boulot, donc voilà.
Je les ai pris à la base pour faire des cookies aux M&M's parce qu'ils adorent les cookies aux M&M's à la maison. Donc bah, avec ce qui reste, je ferai les cookies aux M&M's. Ah oui, et autre petite chose qui a déjà disparu, donc c'était des mini... Il y avait un sachet de mini Bounty et un sachet de mini Snickers, vous savez, format un petit peu, bah, format célébration en fait, hein, les petits formats célébration. Et puis ça, bah, c'est pareil, ils les avaient emmenés au boulot vendredi, donc c'est pour ça que je peux pas vous les montrer. J'ai ensuite pris, donc là il y en a 40, c'est 40 petites bougies chauffe-plate toutes simples pour mettre dans les petits bougeoirs que j'ai tout simplement. D'habitude j'en prends des parfumées, mais je vous avoue que j'aime bien allumer celle-ci en plus de mes bougies parfumées. Alors si tout est parfumé, au bout d'un moment ça fait un mélange d'odeurs qui est pas hyper top. Donc voilà, là j'en ai pris 40 comme ça. Et là j'en ai repris 12 des plus grosses en fait. Vous voyez, elles sont vraiment plus grosses. Donc, et là, il y en a 12 dedans. À l'endroit, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Et là, il y en a 12 à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai refait un petit peu le plein. Ah bah non! Il y avait un troisième paquet de M&M's qui était en dessous. Donc, j'en avais pris 4 en fait à la base. Donc, du coup, il y en a un troisième là. Ensuite! Je vais sortir ça, comme ça arrêtera de prendre de la place. J'ai pris du papier cadeau, tout simplement parce qu'il coûtait une misère. Alors je vous avoue que moi d'habitude, je vous remettrai la marque que je prends d'habitude pour le papier cadeau par-ci par-là, parce que là je l'ai plus en tête. C'est pas du tout la même qualité, on est bien d'accord. Mais pour du petit papier cadeau comme ça, décoré pour Noël et tout, enfin vu le temps que ça fait quand les enfants ouvrent leur paquet, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. Sinon j'en prends un autre vraiment qui est assez épais, vraiment de très bonne qualité. En plus, il est ligné à l'intérieur, donc vous pouvez vraiment bien respecter les lignes, couper droit, etc. Enfin, je le trouve vraiment top. Je vous remettrai la marque. Bon, il coûte quand même pas mal cher. Bah d'ailleurs, si vous avez regardé le swap que j'ai fait avec Victoria, et bah c'était ce papier cadeau là d'ailleurs. Donc, il est vraiment très épais, il est résistant. Enfin, vous risquez pas à chaque fois qu'il y a un coin du coup de déchirer votre papier et tout. Donc ça, c'est quand même super appréciable. Je vous remettrai la marque. Et puis là, bah par contre, pour les cadeaux des petits qui vont de toute façon tout déchirer comme des ours. Voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient assez mignons. Donc il y en a avec des petites chaussettes comme ça de Noël. Il y en a avec des petites étoiles. J'en ai pris un avec des sapins. J'en ai pris un autre avec des petites étoiles. Et j'en ai pris un comme ça un petit peu plus festif avec des petites boules de Noël tout simplement, avec des petits flocons, etc. Donc voilà, c'est pareil, vous le payez une misère, je crois que c'est même pas 1 € le rouleau, donc ça coûte vraiment rien. Et voilà. Les autres années, c'est vrai que je prends aussi du papier Disney pour les enfants, mais c'est pareil, en fait il a la même qualité que celui-ci, il est hyper fin, il se déchire hyper facilement, et en plus ça coûte la blinde. Donc je me suis dit cette année que voilà, j'allais prendre du papier comme ça, de toute façon honnêtement, pour ce qu'ils en font, c'est largement suffisant. J'ai également pris du coup des petites cartes de vœux tout simplement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis donc il y a deux motifs à l'intérieur, elles sont en relief. Je les ai vraiment trouvées assez jolies. Voilà, donc on a soit le bonhomme de neige, soit le petit traîneau. Et puis ça, je trouve que c'est sympa. Alors soit pour envoyer, hein, pour les fêtes, soit tout simplement pour mettre quand on a juste un bon d'achat à offrir ou des choses comme ça. Je trouve qu'avoir une jolie petite carte décorée, bah, c'est toujours plus sympa que de laisser juste le bon d'achat dans une enveloppe. J'ai pris des petits pics décorés du coup pour Noël. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis désolée, je pense que ça va pas mal refléter. Donc je les ai pris en argenté et en doré. Donc tout dépend, hein, on va voir si on peut faire Noël ou pas, mais j'ai envie de vous dire qu'en tous les cas, on aime bien, même si du coup on sera confiné pour Noël, peut-être, je ne sais pas, on verra bien, mais en tous les cas j'aime bien faire une jolie table, etc. Donc là, les petits pics pour, je sais pas, pour les petits toasts à apéro ou les choses comme ça, ça pourra toujours être super sympa à utiliser. J'ai ensuite pris deux petites choses à mettre, ben voilà, pour décorer un petit coup dans la maison, donc... On en a un où c'est écrit Christmas, comme ceci. Voilà, donc c'est un peu en genre de bois. Voilà. Et j'en ai pris un où il est écrit Snow.
Voilà, donc ça c'était pour des petites choses pour décorer un petit coup la maison. Ah oui, j'ai aussi repris des petits sacs poubelles pour la salle de bain. Je voulais essayer d'éliminer entre guillemets tout ce qui n'a pas trait à Noël pour vous le mettre au début et j'ai. Voilà, ça c'était tout au fond. Donc il y a ça. Ah oui, puis j'ai aussi repris des cure-dents, du coup. Voilà. Parce qu'on en cherche tout le temps, que ce soit pour l'apéro, etc. Donc là au moins, on en a un bon paquet, puisqu'il y a 500 pièces par truc, donc on en a 1000. Donc on est tranquille un moment. J'ai également repris ces petites choses. Alors ça c'est des trucs, c'est top, mais pour décorer une table, pour tout ça, pour les fêtes, je trouve ça génial. Par contre, vous en retrouvez 3 ans après, je pense. Voilà, parce que moi je sais qu'une année, j'en ai retrouvé pendant je ne sais pas combien de temps dans ma maison de ces choses. Donc vous savez, c'est les petites étoiles comme ça qui sont que vous pouvez mettre sur votre chemin de table, donc ça fait très joli, donc je les ai pris en rouge parce que j'en ai encore des dorés, je les ai prises en argenté et j'ai pris des petits sapins dorés. Donc ça franchement j'adore ce genre de petites choses. Par contre voilà, effectivement hein, c'est un peu traître ce genre de choses parce que vous allez en retrouver dans votre maison pendant X temps après. J'ai bien évidemment repris des petits sucres d'orge à mettre dans le sapin. Indispensable, j'ai envie de vous dire. J'ai repris des petites guirlandes lumineuses qui ont justement, qui fonctionnent à pile et qui ont un timer en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, elles vont fonctionner pendant 6 heures et elles vont s'éteindre du coup après pendant 18 heures. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt bien. Et puis donc j'ai pris blanc chaud. Voilà, donc j'en ai pris deux. Elles sont à peine différentes, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais voilà. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. Voilà. Oui, il y en a une où il y a 100 LED et l'autre où il y a 80 LED. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est jamais perdu. Mais décidément, j'avais pris combien de paquets de M&M's? Moi, j'en avais pris 6, en fait. Des paquets de M&M's. Puis voilà, pour faire les petits paquets cadeaux, les choses comme ça, hein, voilà, j'ai tout simplement repris du ruban. Donc, un comme ceci, assez épais. Et puis, plein de petits rubans comme ceci. Donc là, ils sont décorés. Bon, je vous avoue que j'ose pas ouvrir parce qu'il y a les petits titis là et du coup, je vais tout perdre après. Mais voilà, il y en a avec des petits sapins, il y en a un avec des petites paillettes un petit peu holographiques comme ça. Un autre avec des petits sapins mais différents, on va dire que là, c'est plus géométrique. Je sais pas si ça va ressortir du tout. Là, donc, on a les effets holographiques. Là, on a un petit sapin, mais rouge, où on voit vraiment les branches. Et là, c'est écrit « Merry Christmas », en fait, sur tout le tour. Donc, rouge... Enfin, c'est écrit en argenté sur fond rouge. Donc, ça, c'est toujours sympa, c'est toujours utile. Donc, voilà. Et je me suis repris une bassine pour le linge. Donc, assez grande, mais voilà. Ça m'a également servi de contenant pour mettre tout ça. Je range et je reviens. Voilà, j'ai remis un peu les choses en place. Donc, voici du coup pour la première vidéo haul action de ma chaîne. Voilà, je vous avoue que je vais pas très souvent chez Action. En fait, c'est pas parce que j'ai pas envie d'y aller, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses chez Action. D'ailleurs, j'ai vu qu'il restait encore quelques calendriers de l'avant, mais je vous avoue que j'ai pas craqué, parce que pour avoir vu les unboxings, en fait, c'est pas forcément des produits que j'utiliserai. Donc, même s'ils coûtent pas cher, je trouve que c'est quand même dommage de le prendre juste pour vous le présenter et pas utiliser les produits. Donc, du coup, là, je vous avoue que je ne l'ai pas pris. Mais il y a toujours de jolies petites choses à trouver chez Action, j'ai envie de vous dire. Vous ne pouvez pas, de toute façon, passer les portes de chez Action et ressortir avec rien. J'ai envie de vous dire, c'est pas possible. Il y a forcément des petits trucs gourmandis sur lesquels vous allez craquer, ou alors bah, même des trucs du quotidien. Moi je sais que tout ce qui va être sac poubelle, sac congélation, etc. c'est bien moins cher chez Action, donc vous avez largement meilleur temps de les prendre là-bas. Mais même si j'en ai plus, je vais pas là-bas. Ah oui, puis j'avais aussi pris des tablettes de lave-vaisselle. Bon, rien de très transcendant, mais du coup voilà, j'en ai eu besoin, donc je les ai sortis du sac. Mais j'avais également pris des tablettes de lave-vaisselle. Voilà, donc mais ça coûte quand même vraiment moins cher là-bas, même si je vous avoue que pour les tablettes de lave-vaisselle, moi je fonctionne plutôt autrement. Là, c'est vraiment parce que je m'étais fait avoir. Sinon, d'habitude,
Je commande sur Amazon, ça arrive par lot de 4, je crois qu'il y a 48 tablettes dans un truc et j'en ai 4. Et puis voilà, ça me fait donc un bon moment, j'en ai pour une vingtaine d'euros, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Donc je préfère fonctionner comme ça, du coup, enfin voilà, m'ont commandé un petit stock, j'en ai pour un bon moment. Bon là, je vous avoue, je m'étais fait avoir et du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai pris chez Action, mais sinon, je fonctionne plutôt avec Amazon, on va dire, pour mes tablettes de lave-vaisselle. Sinon, voilà du coup pour cette première vidéo haul. Donc honnêtement, hein, je vous en ferai pas très souvent parce que comme je vous le dis, j'évite vraiment de franchir les portes de ce magasin. Parce que je remarque qu'à chaque fois que j'y vais pour rien ou pour acheter vraiment une bricole, genre voilà des bougies chauffe-plat ou des conneries comme ça. Et je m'en ressors toujours pour 60 balles. Je sais pas aller chez Action. Et en avoir pour moins de 60 euros. Voilà. Je vous dis pas que je vais atteindre des sommes astronomiques et puis claquer 200 euros chez Action. Par contre, je n'arrive pas à en avoir pour moins de 60 euros alors qu'à la base, je suis allée pour acheter un truc qui valait 3 euros. Voilà. Je sais pas faire moins que 60. Bref, c'est comme ça. C'est pour ça que j'y vais pas non plus hyper souvent parce que, enfin, sinon, vous vous rendez bien compte, hein. Voilà. Je peux pas partir à chaque fois avec ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires, comme je vous l'ai dit. J'adore vous lire et puis échanger avec vous, etc. Et moi, en attendant de vous retrouver, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, vous faire de gros gros bisous et vous dire à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!